Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce nouveau numéro de Rencontre. J'ai le très grand plaisir de recevoir Monsieur Abdelwahab Medeb, qui est écrivain, universitaire, producteur d'émissions de radio donc sur France Culture. Votre livre « La maladie de l'islam » paru aux éditions du Seuil, un ouvrage d'une très grande richesse. Vous me disiez qu'il a eu le prix François Mauriac. Oui, en l'an 2002, oui. Voilà. Et il va être suivi d'un nouvel ouvrage qui s'appelle « Face à l'islam ». Il est déjà paru. Qui vient de paraître. Oui, il est en librairie depuis la fin du mois de février. Très bien. Et donc, je n'ai pas lu, malheureusement, donc on ne pourra pas en parler, mais je le recommande. Aux éditions textuelles. Oui. Voilà, à nos auditeurs, donc aux éditions textuelles « Face à l'islam » d'Abdelwahab Medeb. Alors vous êtes, je crois que nos auditeurs s'en sont déjà aperçus lors de la première émission, un homme d'une très grande culture. J'avais oublié de dire que vous étiez directeur d'une revue internationale, Dédale. Vous êtes une grande érudition, mais un point auquel on est particulièrement sensible, donc sur la fréquence juive, c'est votre plaisir à vous référer au patrimoine religieux, littéraire du peuple juif. Vous évoquiez la communauté de Tunisie, votre grande tristesse l'avoir vu disparaître quasiment lors de la précédente émission. Alors, aujourd'hui nous allons parler plus du monde contemporain, de ce que vous appelez la culture du ressentiment, c'est-à-dire cette tendance radicale à attribuer finalement tous ces malheurs à l'autre. Alors l'autre, ça peut être l'occidental, ça peut être le juif, mais ça peut être aussi le mauvais musulman, celui qu'on excommunie, comme vous le disiez la dernière fois. Et là, peut-être déjà une petite divergence, je dirais que ce discours violent, je le sens peut-être plus dans le monde arabe, si vous voulez, que dans le monde musulman dans son ensemble. Et puis également, je me dis qu'il a un certain succès parce qu'il rentre en résonance avec d'autres discours de rupture qui peuvent exister dans notre société. Alors on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais pour reprendre une expression arabe qui est citée dans votre dernier chapitre, « Bilati hiya ahsan », de la plus belle manière, nous discuterons bien sûr avec courtoisie. Alors, dès le début, la page 18, vous dites « Le monde islamique n'a cessé d'être l'inconsolé de sa destitution ». Et votre analyse, c'est donc qu'au moment du processus colonial, les Arabes ont pris conscience de l'affaiblissement qui les avait conduits à être colonisés. Est-ce que c'est pas quand même un prétexte un petit peu limité dans la mesure où d'autres peuples ont été colonisés et n'ont pas le même ressentiment? Vous savez, le rapport islam-Europe, islam-Occident, c'est ça qui fait la différence, est un rapport beaucoup plus lié qu'on le croit. Donc il y a ça d'une part. D'autre part, l'islam a été une très grande civilisation, a été un empire universel, un état universel. Et il a prétendu à un moment, à raison d'ailleurs, d'être la civilisation. Et il découvre d'un seul jour qu'il ne l'est plus. Pire encore, il découvre que ceux qu'il soumettait dans ce fameux statut de protégé dans l'humiliation, qui est celui de « dhammi », ceux-là même, c'est-à-dire le chrétien et le juif qu'il soumettait sous son autorité, deviennent les patrons du monde dans sa vie. En tous les cas, acquièrent une souveraineté qu'il n'a pas, ou qu'il n'a plus et qu'il a perdu. La destitution est terrible, elle est incommensurable. Je vais vous raconter une toute petite anecdote qui va éclairer l'émergence et la fabrication de l'expression elle-même, cette inconsolée de la destitution. Quand est-ce qu'elle a germé dans ma tête? J'étais à New York au début des années 90 en même temps qu'un très grand écrivain français que je ne nommerai pas, qui est très célèbre en France, et il se trouve qu'à New York, personne ne le regardait, il n'était pas reconnu, ses conférences n'étaient pas suivies, et il était furieux, furieux. Et c'est là où j'ai vu émerger dans ma tête, je me suis dit, le bien bien vieux destitué que je suis en tant que quelqu'un d'origine musulmane, comme je comprends l'inconsolation de votre destitution qui est si récente, vu la culture française, l'immensité qui a été, mais les très grands qui ont une réputation universelle dans la tradition française, c'était Sartre et Camus, au-delà d'eux, et un peu dans le milieu de l'intellectualité, je dirais sophistiquée,
telle qu'elle pouvait être reconnue par l'université américaine, les 5 ou 6 grands noms des théoriciens des années 60, c'est-à-dire Jacques Derrida, Lacan, Lévi-Strauss, Foucault. Cela a disparu, la culture française n'ayant plus cette reconnaissance par le centre du monde qu'est actuellement l'Amérique, ça crée aussi un ressentiment aussi anti-américain. Des inconsolés de la destitution. Absolument. Alors, vous évoquez une très grande figure qui est celle de l'émir Abdelkader, parce que ça a été le héros de la résistance à la colonisation française, et vous évoquez des années que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire son exil en Syrie, où il a fait preuve, après la défaite et l'humiliation, d'une grandeur d'âme extraordinaire. Par exemple, il a pris la défense de minorités chrétiennes qui étaient menacées de pogrom, et vous dites qu'il a conceptualisé une notion, alors ancienne dans la tradition islamique, celle de tawil, c'est-à-dire d'interprétation doctrinale. Alors, je crois qu'il y a des dizaines d'appellations du nom divin hein, dans l'islam, mais bon, il y en a un qu'il invente, c'est finalement celui qui accepte en quelque sorte la défaite. Et il dit, ben, c'est pas parce qu'il accepte la défaite pour nous qu'il est contre nous et qu'il est devenu contre les mécréants. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. L'émir Abdelkader n'a pas eu de ressentiment, il a été généreux, et quelqu'un comme Ben Laden qui a été simplement vexé. Il a été simplement vexé de voir les troupes américaines en Arabie Saoudite au moment de la première guerre du Golfe. Alors lui, il déclenche une guerre mondiale. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, là aussi, c'est une affaire de conjoncture. L'anti-occidentalisme n'est pas né avec le colonialisme. C'est très très important. L'émir Abdelkader présente cette figure. Les premiers musulmans qui ont eu le contact avec l'Europe, que ce soit par la colonisation comme les Algériens et comme l'émir Abdelkader, ou par l'affaiblissement de l'État comme les Ottomans, tout cela a eu lieu le long du 19e siècle, ont constaté une chose très très simple. Ils ont été très raisonnables en fait. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Nous étions à la civilisation, visiblement la civilisation nous a quittés, faisant en sorte de nous adapter à cette nouvelle civilisation et ramenons-la à nous sans trahir ce que nous sommes. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ça a été une génération de réformateurs de toutes sortes, réformateurs d'État, théologiens réformateurs. Alors, est-ce que vous pouvez donner des noms, des exemples des pays? Le meilleur exemple pour la théologie, c'est Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, l'Égyptien qui a exercé, qui a été actif en tant que théologien des années 1870 à sa mort en 1905. Deuxième génération, son propre disciple, Rachid Rida, il y a un infléchissement vers un retour plus prégnant de l'origine. Troisième chaînon, et c'est là que va naître le sentiment occidental, anti-occidental, qui va être donc théorisé, mais qui n'aura pas d'écho dans la société dans les années 20 avec Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Il va falloir attendre un certain nombre d'échecs de toutes sortes, les nationalismes. Il faut dire que c'est à travers la vague du nationalisme qu'on a eu la perte des minorités. Hein. Ça vaut pour dire qu'il ne faut pas tout attribuer aussi à l'intégrisme. Donc, à un moment, dans les années 70, il y aura, avec la faillite totale des nationalismes arabes, des nationalismes locaux comme le nasserisme avec la terrible défaite de 1967, celle de 1973, l'émergence avec le choc pétrolier de l'argent saoudien, la conjonction entre la théorisation égyptienne, les moyens saoudiens, tout cela qui va s'adapter dans le soutien américain en Afghanistan va créer la bombe qui va donner donc Ben Laden. Ça a été donc, Ben Laden va devenir la victime de cet avatar qui a permis à l'anti-occidentalisme d'être intégré dans les consciences. Alors que c'est une chose qui n'existait pas, en effet, ni au 19e siècle, ni jusqu'aux années... Même, vous êtes tunisien et vous devez avoir vous-même, sinon vos parents, vous parlez du souvenir de la lutte, par exemple, contre le colonialisme en France. Elle ne s'est pas faite au nom de l'anti-occidentalisme en Tunisie. Pas au, du contraire, tout. Au contraire. Bourguiba s'est inspiré. Et puis c'était, regardez comme vous trahissez vos propres principes que nous aimons et que nous voulons adopter. Tout à fait. C'est effectivement une différence. Mais il y a cette naissance qu'il y a lieu de repérer, c'est-à-dire historiquement à la fin des années 20. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'anti-occidentalisme ? L'anti-occidentalisme, c'est la haine de la modernité et la haine de la démocratie. Ce n'est rien d'autre. Et cette volonté de dire que nous avons nos propres moyens politiques. C'est-à-dire, les théologiens que je citais voulaient en fait moderniser l'islam. À partir de Hassan al-Banna, il y avait la volonté et le projet d'islamiser la modernité. Et c'est la catastrophe. Abdelwahab Medeb, je propose que nous fassions notre coupure publicitaire maintenant parce que il y a un sujet
épineux, qui est celui des États-Unis, qui polarise quand même, il faut bien le dire, la haine du monde arabe, sur lequel, bon, vous avez des explications. Il y a d'autres interprétations. Je pense en particulier au livre de Bernard Lewis, L'Islam en crise. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Il y a une clé qui est donnée. C'est le soutien des États-Unis à des régimes despotiques. Bon, ça c'est vrai. Les populations misérables, opprimées, etc., ont donc un sentiment de détestation. Mais, curieusement, aujourd'hui, alors que viennent des États-Unis des voix pour réclamer une démocratisation au Moyen-Orient, il y a un discours unanime pour repousser ces propositions. Alors que le gouvernement le repousse, on comprend, mais que les élites aussi le repoussent, on le comprend moins bien. Comment l'expliquez-vous ? Ben écoutez, il y a, je crois, une méconnaissance. On attribue les États-Unis sont diabolisés. Je veux bien qu'on diabolise Bush, mais diaboliser les États-Unis, c'est une chose. Et encore, je veux dire, hein, moi, je n'en sais rien. Bush ne correspond pas, évidemment, ni à ce que je pense, ni à ce que je suis. Mais personnellement, je comprends parfaitement sa réaction en Afghanistan, peut-être moins en Irak. Quoique, là aussi, je me pose des questions, hein. Je n'ai pas... C'est intéressant parce que dans votre oui. livre, d'ailleurs, oui. vous avez l'air, qui avait été écrit, faut bien le dire, avant. Fin 2001, avant oui, la guerre d'Irak. Oui, oui. Et finalement, ce que vous reprochez aux États-Unis, c'est la souffrance du peuple irakien du fait de l'embargo. Oui. Mais finalement, c'est aussi de ne pas aller jusqu'au bout en faisant déposer Saddam Hussein oui. dès 1991. Voilà, situation très figée, insupportable. Je ne sais pas si, j'avais très peur pour une chose, sachant que l'Irak est un imbroglio incroyable et y mettre le pied, ça ne pouvait être que très difficile. Que très, très difficile et, l'expérience nous le démontre. Mais enfin, quand on voit un Irak, sans Saddam, avec des chiites opprimés qui s'expriment. Bon, je ne sais pas. Il y a en tous les cas une perspective ouverte, je pense. On a osé ouvrir dans un pays arabe qui se disait le bastion de l'arabité, la question de la minorité et la question de la pluralité religieuse. Cela me paraît absolument essentiel dans la conjoncture exclusiviste et puriste qui fige les Alors, États arabes. Et ça, c'est les Américains qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Alors, dans votre livre, vous décrivez ce que vous appelez l'américanisation du monde. Oui, autant j'aime une certaine Amérique que j'aime énormément, New York, le cosmopolitisme, le fait que ce soit une ville miroir du monde, le fait même que à New York, d'une manière voyante, on ne cherche pas à cacher le quart monde, tous les États. On a dans New York les choses les plus sophistiquées que vive l'humanité et les choses les pires. Tout est là et moi je trouve ça très impressionnant parce que c'est ça, l'empire et le miroir du monde. Et une ville comme New York, c'est une ville dans laquelle je me reconnais profondément, d'autant plus, alors s'y ajoute la particularité qui est la sienne, cette espèce, je veux dire, d'énorme défilé composé par les tours, le vent, je veux dire, cette puissance, je dirais, de l'écologie, du climat, tout ça est très impressionnant, avec en plus... En fait, dans l'américanisation, ce que vous dénoncez, c'est un peu la massification, le côté superficiel, et par exemple, quand vous dites... Autre chose, je vais vous dire. Le 11 septembre, c'était un peu comme un clip vidéo, oui. C'est-à-dire qu'ils ont pris finalement des Américains, pratiquement le film catastrophe. C'est ce qu'ils en ont pris. Il y avait une certaine inspiration de cette culture au nom d'un archaïsme le plus barbare. Ce qui me fait peur dans ce que j'appelle l'américanisation du monde, c'est justement le fait qu'il y a possibilité avec cette américanisation qu'il n'y a pas de contrôle du dernier moral. Eux-mêmes, actuellement, ils se posent des questions. Hein, lorsqu'ils proposent ce devoir de démocratiser, de diffuser la démocratie, c'est nouveau, ça. Ils ne l'avaient pas. Mais avant, ils diffusaient la technologie, par exemple, sans tenir morale. Compte du principe qui est derrière. Alors que moi, l'école dans laquelle j'ai grandi, j'ai été éduqué, exigeait que vous ne pouvez pas être moderne en maîtrisant seulement un instrument et en profitant du confort de la modernité. Vous avez à changer de mentalité. Tout à fait. Alors, je dois quand même, pour qu'on soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, dire que dans votre livre, d'une façon tout à fait claire, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous faites remonter donc cette haine de l'Occident assimilée à la démocratie, en fait, hein, à bien avant... Je dirais les années récentes, la deuxième guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, le conflit israélo-palestinien, etc. Vous citez un texte terrifiant des frères musulmans de 46, hein, juste après la seconde guerre mondiale, où on se réjouit finalement de la disparition prochaine des démocraties qui viennent de triompher du nazisme. Moi, je voudrais citer quelqu'un d'autre, donc dans le livre de Bernard Lewis,
l'islam en crise, on parle de cet horrible individu qui était Saïd Qotb. Saïd Qotb a été pendu par Nasser, d'ailleurs, hein. Et ce dirigeant donc des théoriciens réélu et la diffusion de ses écrits ont un effet extrêmement néfaste actuellement. Et bon, lui, il se trouve qu'il a fait un séjour disons professionnel aux États-Unis au début des années 50 et il a été horrifié par ce qu'il a vu par rapport à la liberté des mœurs. Là on tombe sur la condition aussi de la femme, sur tout cet hédonisme qui existait pourtant dans le monde musulman dans le passé. Est-ce que c'est pas aussi une clé, c'est-à-dire l'Occident assimilé à une forme de décadence? Et d'ailleurs, quand vous parlez de ce qu'était le Caire et de ce qu'il est devenu, est-ce que c'est pas une clé? Bien sûr, c'est une des clés. Mais là aussi, vous savez qu'à l'intérieur même des États-Unis, il y a des gens qui pensent très exactement comme Saïd Qotb lui-même, et qui eux-mêmes sont des combattants de cette décadence. Regardez le débat actuel, rien qu'actuellement, sur la question en Californie des mariages des homosexuels. Elle est dans le, je veux dire, dans la même mouvance, tandis que là, il l'a attribué, je dirais, à un fait de civilisation, en oubliant tout simplement, les mille et une nuits, ou en oubliant que la manière avec laquelle Nerval ou Flaubert décrivaient le Caire et l'Égypte quand ils étaient sur place, qu'il y avait là justement un principe de jouissance qui était presque au fondement de la société. Et vous avez d'ailleurs des pages magnifiques en évoquant simplement ce qu'il reste comme décor au niveau de cette grande ville, Cahila, le Caire. Malgré la ruine. Malgré l'écologie, l'irrespect désastreux de l'écologie, malgré le fait que la pierre médiévale qui a 1000 ans soit rongée par la suie de tout ce qui est diffusé par ces terribles voitures défaillantes et si anciennes. Malgré tout cela, du sublime apparaît. Alors, moi je voudrais évoquer une autre piste pour cette haine des États-Unis, parce que il y a quelque chose quand même de curieux par rapport à ce ressentiment. On pourrait imaginer, par exemple, une jalousie par rapport à l'Inde ou à la Chine, qui sont en train de devenir des très très grandes puissances économiques. Pensez qu'un pays comme l'Égypte et la Corée avaient le même produit national brut il y a 50 ans. Ça, c'est la prochaine surprise pour les islamistes, parce que voilà des païens qui vont triompher, même pas des monothéistes. Même pas des monothéistes. Et est-ce que finalement, vous venez peut-être de répondre à la question que j'allais vous poser. Bon, quelque part, les États-Unis sont les héritiers de la chrétienté, donc le challenger finalement. C'est toujours la concurrence entre les deux. Les deux, ça, et le fait que ils constituent un soutien très très fort à l'idée même d'Israël, je dirais. Et donc cela rejoint cet anti-sionisme et cet anti-judaïsme qui s'est transformé en antisémitisme. Alors, je dois vous rendre hommage, parce que dans ce livre, donc la maladie de l'islam dont nous parlons, vous mentionnez très longuement, sans faux fuyant, justement cette plaie de l'antisémitisme qui paraît particulièrement grave en Égypte. Et bon, pourquoi l'Égypte? Parce que c'est la presse, la radio, la télévision, parce que c'est très grand pays. Et puis, métropole aussi de 18 millions d'habitants, le Caire. Absolument. Alors, est-ce que finalement, aussi, il y a un petit peu une contradiction, soutien des États-Unis à Israël. Bien. Israël, superpuissance régionale. Bon, problème palestinien non résolu, etc. Donc tout ça, ce sont des causes de ressentiment. Mais, est-ce que ce n'est pas un peu rapide? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une vieille tradition antisémite? D'ailleurs, on évoquait Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est un peu un chaînon entre Ibn Hanbal, et dont on a parlé tout à l'heure, et puis les horribles wahhabites. Mais est-ce que finalement, quand on lit Ibn Taymiyyah, qui reprochait, donc vous dites au Moyen-Âge, aux juifs de ne pas avoir la puissance militaire, finalement on leur reproche toujours quelque chose. Soit ils sont puissants, donc ça ne va pas du tout, soit s'ils ne sont pas puissants, c'est parce que ce sont des réprouvés, c'est la tradition chrétienne de la déchéance aussi. Je crois pas, je ne pense pas qu'on puisse parler d'antisémitisme dans la tradition islamique. Le terme, il faut être, me semble-t-il, précis, le terme
correspond à la transformation de l'anti-judaïsme d'origine religieuse vers justement l'idée de nation et l'idée de peuple, et ça appartient à la modernité. C'est né dans le cadre et dans la matrice de l'État-nation occidental, et c'est une européen, et c'est une contamination, j'en suis convaincu, occidentale. D'ailleurs, toute la matière, la substance de cet antisémitisme qui s'exprime en langue arabe actuellement est une substance importée. Il y avait la tradition, et ça, je dirais, dans la concurrence des religions, je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est dans la logique même des choses, il y avait une tradition, je veux dire, de anti-judaïque, mais qui aussi a connu un très grand nombre de temps de répit. Ça me paraît très important, hein. Moi, c'est une chose à laquelle j'insiste énormément et qui m'est très précieuse, est de savoir que sept ou huit génies médiévaux juifs se sont exprimés en langue arabe et que je fréquente encore aujourd'hui en langue arabe. C'est une espèce d'antidote pour moi majeur. Je suis en train de lire en ce moment, par exemple, le livre de Moshe Ben Ezra écrit, et ça m'émeut beaucoup en sachant qu'à l'intérieur même du même livre, il y a la cohabitation de la graphie arabe et de la graphie hébraïque. C'est un livre de poétique, il reprend tout l'arsenal de la poétique arabe, il reconnaît aux Arabes cette espèce de gloire de la poésie et le fait qu'ils aient pu donc épuiser pratiquement toutes les figures et toutes les formes qui constituent l'énergie poétique, il en a une admiration immense, et il dit en même temps, mais en fait, toutes ces catégories qui viennent aussi, qui sont venus aussi des Arabes aux Grecs, je peux les illustrer par des exemples qui viennent de la Bible. Et il cite un grand nombre de passages d'Osée, de Jérémie, pour illustrer les catégories de la poétique arabe héritée des Grecs. Alors, Abdelwahab Medeb, il nous reste 3 minutes. Bien sûr, votre livre traite de la civilisation islamique, du monde arabo-musulman, et faut bien le dire, le conflit israélo-palestinien est cité, mais c'est en une page et demie, il n'est pas question de rentrer dans le détail politique. Ce que je veux dire quand même, qui est très important par rapport à nos lecteurs, c'est que vous avez eu le courage, dans cet ouvrage qui a été achevé en décembre 2001, de dire que la solution, finalement, elle est très proche de ce qu'on appelle l'initiative de Genève. Et l'initiative de Genève, son très grand mérite, finalement, parce que c'est co-signé par des Israéliens et des Palestiniens, c'est de parler clairement de deux États qui vont vivre l'un à côté de l'autre, l'un qui sera un pays membre du monde arabe et l'autre qui est un pays à majorité juive. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, il y a, il me reste malheureusement trop peu de temps pour en parler, quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est quand vous demandez un petit peu une repentance de la part des juifs par rapport à la souffrance infligée aux Palestiniens, parce que les souffrances, elles ont eu lieu des deux côtés. Si cette reconnaissance avait eu lieu, bien sûr, au moment du plan de partage, on n'aurait pas eu 55 ans de conflit. Enfin bref, est-ce que, surtout, en vous mettant à la place des juifs, qui ont chèrement payé le stéréotype, et le stéréotype de celui qui a fait souffrir, on n'a qu'à prendre le film de Mel Gibson, on en parle beaucoup en ce moment, là, La Passion du Christ, on ne pourrait pas imaginer une sortie morale, on ne parle pas de politique, là, une sortie morale où les deux, on se dirait, bon, il y a eu des torts des deux côtés, il y a eu des souffrances des deux côtés, et les fuites mettent, le passé est mort. Vous avez malheureusement 1 minute et demie seulement pour répondre. Écoutez, c'est des questions majeures et énormes. Il n'y a pas de paradis sur Terre, hein, c'est-à-dire tout est affaire de gains et de pertes. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, et ce qu'on gagne d'un côté, on risque, en le gagnant, de faire perdre d'autres. Moi, j'ai cité dans mon livre cette fameuse exclamation d'un des grands héros du sionisme, Eliezer ben Yehuda, dans Le Rêve Traversé, cet homme qui a donc réinventé l'hébreu, le choc qu'il a eu en arrivant en 1881 à Jaffa et en découvrant, chose à laquelle il ne pensait pas trop, que cette terre était occupée et était occupée par des gens donc qui se sentaient chez eux. Ça, c'est incontestable, on n'y peut rien. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, cette idée de la repentance, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Je ne sais pas si vous avez souvenir, elle a été évoquée par une très grande dame milanaise, une juive de Milan, Madame Lévy, j'ai oublié très exactement son nom, qui est une physicienne majeure, qui dirige un laboratoire donc de physique, et qui a avancé cette idée de la repentance. Eh bien, écoutez, c'est un sujet qui est beaucoup trop vaste, on en reparlera peut-être, en tout cas ça a été un plaisir de vous avoir, et
Abdel Wahab Medeb. Je pense que ce n'est qu'un, peut-être qu'un début pour des prochaines retrouvailles. Merci pour votre participation. Amis auditeurs, merci pour nous avoir donc suivis et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.